Salut, c'est Maxime et Margot pour Wider et Trek Magazine. Et aujourd'hui, on va vous présenter deux produits pour Fjällräven, le pantalon pour homme Vida Pro Light et le collant Abisko pour femme. Concernant le Vida Pro Light pour homme de Fjällräven, c'est un pantalon très respirant et agréable à porter. Il va trouver son utilisation sur les parcours ombragés. Il protégera tout de même des UV, de la végétation et des insectes, mais restera plus chaud qu'un short. On est sur une coupe régulière avec les bas légèrement fuselés. La taille est assez haute et si jamais vous êtes entre deux tailles, vous avez un passant pour mettre une ceinture et l'ajuster correctement. On peut constater que les genoux sont très formés, donc ça va offrir une aisance dans le mouvement, une plus grande amplitude et notamment éviter les frottements au niveau des genoux. Au niveau des poches, on en a 6 au total, dont 4 avec boutons. Elles vont être très pratiques pour caler une carte, une boussole, notamment lorsqu'on s'aventure sur des itinéraires non balisés. Sur le bas des jambes, on retrouve des boutons permettant de resserrer le pantalon sur les chaussures et éviter que des insectes ne pénètrent et ne vous montent le long des jambes. Concernant le legging Abisko Pro de chez Fjällräven, qui existe en 3 coloris, donc là vous voyez le bleu, il existe en kaki et en noir. Vous retrouverez sur ce legging 3 patchs de protection, donc au niveau des genoux et un gros au niveau des fesses, qui permettent vraiment plus de sécurité si vous tombez. Voilà, il y a une double épaisseur, donc au niveau des accroches, tout ça, vous avez moins de risques de vous faire mal. Et même pour s'asseoir sur tout type de terrain, c'est vraiment parfait et ça permet de ne pas déchirer son legging à la première utilisation. Il est composé à 70% de polyester recyclé. C'est une matière qui permet une respirabilité géniale du produit. Pas de sensation de transpiration ou d'effet mouillé lorsqu'on s'arrête durant une rando. Moi, je le conseille plus pour le printemps, automne, hiver. Il est très épais comme matière, donc de très bonne qualité. Après, il peut très bien faire pour l'été sur des randos en plus haute altitude. Gros point positif, vous trouverez un élastique au niveau de la ceinture pour le resserrage. J'ai pas eu besoin de l'essayer. Voilà, un legging qui tient parfaitement au niveau de la ceinture. Assez taille haute, très bon legging pour ma part, je le recommande à 100%. C'était Maxime et Margot de Wider et Trek Magazine, merci de nous avoir regardés et bon été à tous.